Bien, alors reprise d'un petit film d'une ancienne turbine. Donc là, la différence c'est que j'ai coupé les pales ici de manière à ce que je sois sûr que le flux rentrant ne soit pas à l'origine du couple, mais plutôt le flux sortant. C'est-à-dire le flux rentrant, c'est-à-dire que le flux pouvait rentrer potentiellement par le bas, choquer les pales, créer un couple, puis ressortir. Donc là, je voulais être sûr que ce soit le flux qui soit aspiré donc dans cette zone-là, qui en sortant d'une manière véloce crée un appui sur le bord de la pale et donc crée l'expulsion de la pale. Donc voilà, donc j'ai coupé la turbine qui n'avait plus d'utilité en l'état afin de vérifier le concept. Alors je mets tout en route. Alors c'est un aspirateur qui est moins puissant que sur la première démonstration parce que c'était un 1500 watts, l'autre celui-là c'est un petit 800 watts à peine, 700 watts. Et donc je fais toutes mes démos avec ça, de manière à avoir un aspirateur de référence, je dirais, facilement transportable. Voilà. Donc là, on a bien la preuve que le flux aspiré appuie sur les pales et à la sortie de la pale, crée donc un couple moteur. Donc j'imagine que si j'avais une buse de sortie qui était orientée dans ce sens-là, avec des pales droites, donc des pales comme ça, en rayon, avec une buse de sortie dans ce sens-là, j'aurais un couple moteur plus efficace, tout simplement. Pourquoi? Parce que là, on crée un couple moteur qui est perpendiculaire en fait au sens de déplacement, alors que si je tirais le flux dans ce sens-là, eh bien j'aurais une traction qui serait pratiquement parallèle, parallèle à l'axe des pales, et donc obligatoirement j'aurais une efficacité qui serait du sinus plus important. Voilà.